On pouvait pas rêver mieux. Il reste une game. Énormément de prétendants au titre. On peut pas rêver mieux. Je pense que en dessous du top 7. Même non, allez, on peut mettre Mason et Albrecht dedans. Putain, ça. Il faut que je le bute lui. Il va me dire. Ah non, tu vas. Attendez. Je vais peut-être faire une pause. On va peut-être faire une pause rapide. Il est big. Non, il va me perturber. Non, impossible. Personne ne viendra me déranger pendant ma grande finale là. Attendez. Il vient de passer derrière le fond vert. Ah, je le vois. Faut juste qu'il se pose. Attendez. Problème technique. Problème technique. Problème technique, mince, on retarde la dernière game dans quelques secondes, hein. Problème technique bien sûr. Hein. Face à Sky. Sur moi, frérot. Nate face à Sky. Même structure, mais pas même combat. Nice. Sky au sol, il était très low life, dans tous les cas il aura tenu un petit peu. Et pour l'instant c'est Nate en Vilex. Mort. Qui prend l'avantage et qui ramasse. J'ai un flopper de pad. Ça fait 5 kills maintenant pour Nate en Vilex. Mais ils ont pas la hauteur. Comment? Quoi? Nate qui tente? Nate qui tente alors qu'on dirait que ça tire la tour de l'autre côté? Il s'est fait coincer, Nate! Il s'est fait coincer, mais attention! Ça reste Nate! Il vient de s'écrabouiller devant lui! Certes, il a pas eu le kill, mais au moins il pourra pas la. Oh, Nate qui passe! Là, Nate qui perd la hauteur! Dès la première game, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire! En direct, il contrôle en bas! Nate qui contrôle en haut! Et c'est la victoire de Nate et en direct dans cette première game! Ses plans sont magnifiques! Et la nouvelle ville est en construction, mesdames et messieurs! Ça y est, le late game est en place! Tout le monde est obligé d'être du même côté! C'est du rarement vu et la prochaine zone a été annoncée! Et justement, la majorité qui avait très peu bougé a gagné! Alors que là, tous ceux qui sont sur l'île sont maintenant dans la sauce! Ça va être des va-et-vient, mec! Personne n'était au. Il y a une zone neutre. Mec, on a l'impression qu'il y a deux teams. Il y a une zone qui est totalement neutre actuellement. On n'a jamais vu ça en plein de games de Dwight Cup. Je n'ai jamais vu ça concrètement. Squall qui a la top hauteur actuellement. Qui reste-t-il? Blacky qui peut encore y croire. S'il gagne le duel, il a la top hauteur. Blacky qui est en train de faire un explos en solo. Blacky qui doit descendre. C'est pas grave, chill, t'as top 3. T'es 1v2v1. Blacky! T'es une mini tranquille, t'as 150 de maths, ça revient. Essaye de spam le bas, T'es le meilleur, c'est normal. Du monde, frère. Tu peux les 2v1. Regardez Sky qui donne le ton qu'il faut, qui lui donne de la confiance. S'il fait le top 1, c'est potentiellement la victoire de la Dwight Cup. Spam les maths, spam les maths. Attention parce qu'ils vont essayer de le faire descendre, effectivement. Ça revient derrière toi, Oh là là là. 1v2, je vous rappelle. 130, t'as tué un. Nice! Je suis un compétiteur dans mon domaine et je veux toujours vous proposer mieux. La preuve entre hier et aujourd'hui, je suis très très fier de ce qu'on vous a proposé parce qu'aujourd'hui je trouve que c'était quasiment. Parce que encore une fois, je vois que les défauts, mais c'était quasiment parfait. Il est énorme. Il aime trop les fonds verts, je trouve. Il est énorme. Bon, il est passé derrière le fond vert. En fait, je vous le dis, il est attiré par la lumière qui est derrière le fond vert. Qui émet une énergie qui attire les moustiques. Il fait chier, là. 4 joueurs restants pour Andilex face à lui. Première game des FNCS. Tu commences par un top 1 avec 3, 4, 5 kills. T'es le roi du monde. Et justement, il passe derrière. Le problème, c'est qu'il y en a un quatrième. Non, ça passe. Pour Andilex, il va devoir ressouffler un petit peu. Ils sont encore 3. Il peut essayer de faire en sorte. Il y a même des poissons à droite. Mais lui, il reste là, pas le temps. Oh, ça passe pour Andilex qui vient de faire double kill, solo kill derrière. Et c'est le 1v1 final avec Andilex qui est hors zone malheureusement, qui a pas l'avantage, qui panique un peu. Regardez, ça lui ressemble pas, ce genre de petite hésitation. Ça vous prouve le stress et la pression qu'il y a sur ces FNC de solo. Mais c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Top 2, 5 kills minimum pour Andilex. C'est peut-être le top 1. Non, ça ne passera pas pour Andilex, mesdames et messieurs. Face à mon Graal. C'est face à mon Graal. Voilà ce que je vais vous proposer durant ces FNC. Bad qui a beaucoup de. Non, qui a pas beaucoup de construction pourtant. Les deux mecs sont en train de s'affronter dessus. Fais-toi oublier. C'est pas grave. Reconstruis. Fais-toi oublier, croise. Levez les bras. Que tout le monde lève les bras. Si vous êtes. Non, c'est dégueulasse. Let's go. Pas sniper qui tombe. Oups. Pas sniper en 1v1 maintenant. Pas sniper qui est même pas full vie. Pas sniper qui fait le top 1 avec 7 kills, mesdames et messieurs. C'est fait. Et donc, en fait, tu vois, vas-y. On est parti pour l'aventure Minecraft. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Genre vraiment. Genre là, j'arrive. Ah. Putain, y'a un vrai papillon qui m'attaquait dans la vraie vie. Non, le pire truc, je ne sais plus quelle est la réalité, quel est le vrai monde, quel est le faux monde. Il y a un papillon qui vient de passer devant moi, j'ai paniqué gros. Faut que j'aille baisser le store gros, je vais me faire attaquer par des vrais monstres, ça va pas le faire. Attendez. La nature frère. Ce jeu me fait paniquer gros. Ils peuvent pas aller chez le voisin les bêtes. Pas elles viennent chez moi. Attendez parce qu'on va se faire des armes là, on va se faire des queutrues. Oh putain. Après c'est la nuit c'est genre y a des problèmes la nuit. Même dehors. Ouais. Et du coup vous me conseillez de faire quoi? Genre je fais une maison. Waouh, ça c'est. Waouh ouais. Ah ouais d'accord. Mais ça pop. Ah ouais mais. Ah mais il saute. Rends-moi ça. Tu vois que.
J'ai bien fait de faire plusieurs établis. Tu vois que j'ai bien fait de faire plusieurs établis. Déjà un établi de perdu, ils l'ont gagné, là vous les gars je vous l'offre. Voilà, vous avez gagné l'établi. Attends, je... Ah putain. Ah ouais d'accord, c'est... C'était pas volontaire. Oh putain de jeu de merde. Mais gros, je suis encerclé. C'est quand la c'est quand le jour là? Parce que ça va être vite être chiant en fait. Genre là il fait comment là? Là vas-y, là il fait comment? Là j'ai hâte de voir là. Là je suis safe. Alors, alors. Bah on a l'air con hein. Bah oui on est con con con. Bah oui bah oui. Bah on essaye de monter hein. On n'y arrive pas. Bon, on a gagné un peu de calme. A few inches later. Mais gros la tête de rame, j'ai envie de les rejoindre. J'ai envie de devenir un zombie moi aussi. Mais gros c'est une armée. Sweeter, sweeter. Venez, 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 on fait une choré. Bon, pardon. Mais on est qu'au début du round hein. Pourtant ils sont déjà très actifs tous les deux. Mais attention parce que Fares, il a pas dit son dernier mot. Voilà l'agression qu'on attendait, double cassage, un... Pff, un moment il a le viseur au bon endroit, puis ensuite il check à droite, et un HP, Sing sort quand même le réflexe de lâcher la grosse balle de peup. Qu'est-ce qu'il a en tête là, Yoyo? Qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il feinte? Est-ce qu'il veut vraiment le faire redescendre? La zone, vous voyez qu'elle est pas si loin hein, quand même. Hein. Mais c'est intéressant parce que là ils ont vraiment eu un fight où en fait ils se gardaient vraiment en... Regardez la zone qui est là hein. On passe rapidement sous la zone. Donc là, Yoyo, il a compris que directement il doit remonter. Oh, c'était très smart. Je pense qu'il avait prévu son coup, Yoyo. Je pense qu'il avait établi ça depuis au moins 10 secondes. C'est El Professeur. Quel monstre dans cette action. Bon, finalement, j'avais peut-être surestimé les dépenses de Waza. Par contre, Yoyo dans le goulag. Yoyo, gougou. Yoyo, gougou. Yoyo, gougou. Alors qu'il lui restait des constructions, Waza qui avait été tellement malmené. Mais il a fini au gougou, Yoyo. Ah, comment on gère ces bestioles? Il va falloir que j'apprenne à les gérer. Mais gros, mais calme-toi. Et ben il est en train de me chasser de la grotte. Bah écoute, j'ai compris. Je ne reviendrai plus gros. Attends, je peux le bait. Viens, viens. Viens mon pote. Viens ici. Allez, viens. Viens, on va faire une petite baignade. Viens, on va faire une petite baignade. Viens. Alors, on sait pas se baigner, c'est ça? On a pas pris un... Il sait nager! Il sait nager, putain! Et là, je le brain. Et là, je le brain. Et là, il me perd de vue. Et là, il y en a un de moins dans la grotte. Voilà. Éliminé. Et regardez-le. Voilà. Du père. Hop. Et deux, hein. Ow. Bon, avec cette stratégie-là, ça va pas être très rapide, hein. Personne ne m'a prévenu. Je voulais pas mourir dans mon aventure. C'est trop nul. Il s'en fout parce que dans tous les cas c'est la prochaine balle de pompe qui va compter. Zaïsou qui a repris la hauteur là-dessus. Zaïsou Echo, c'est maintenant. Retenez votre souffle mesdames et messieurs. Qui va mettre cette balle? Oh punaise. Ok, ils auraient pu se finir. Ils ne se sont pas finis hein. C'était ouais. Il est obligé. Il a tenté, il arrive sur la fin des constructions. Il restait 6 HP avec le shield justement de Echo, ce qui lui permet de prendre la première manche. Mais quelle première manche extrêmement sympathique à suivre. Et là le problème c'est qu'il arrive sur les 200 dernières constructions. Croisez les doigts si vous soutenez Echo, parce que 200 constructions restantes, la zone qui va venir le forcer à monter, à agresser, il est là le problème. Il est là le problème. Et Waza va peut-être faire la même erreur parce qu'il revient chercher son fight. Waza qui vient de retomber directement. Echo qui va tomber lui aussi. Maintenant il y a la zone qui s'en mêle. À qui reste-t-il les constructions? Fin de construction pour Echo. Maintenant il a juste... Et pourtant il vient fight Waza, il vient de reposer la même erreur. Alors que le goulag va s'en charger. Le goulag va s'en charger. Le goulag va s'en charger. Le goulag bug. C'est bon. Il y avait même... Le goulag ne voulait même pas s'activer tellement... Putain il nous a fait peur hein. Toujours Morty qui prend quoi. De toute façon Morty il a l'habitude des mauvaises aventures. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit ménage à faire. Non. Ah. Oh ma terre. Oh ma terre. Oh ma terre. Je vous jure. J'ai failli lose mon duel. J'ai failli lose. Ah mais laissez-moi tranquille. Je m'invente des trucs, y a plus rien. Y a plus rien. Cash Cup. Mange 1 tous les vendredis. Ok, 19h-21h. Atteignez la Ligue Rivalité en mode arène pour dévorer cet événement. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je crois que c'est un... C'est un rendez-vous de prix. Ça va être noté directement dans mon agenda. 19h, gagner la Cash Cup solo. Vendredi 15 mai, on va chercher le trophée tranquille. Je pense qu'on se fait une petite session de training d'une heure. Et comme ça, voilà, ça part dans la foulée.
Regardez bien, quel point c'est facile ce jeu. Donc là, regardez, j'atterris, je choisis la maison, je regarde à peu près qui est autour de moi. Tutoriel, hein, tutoriel pour faire top 1 sur Fortnite. Vraiment pas compliqué, hein. Regardez, tout simplement, apprenez, prenez des notes. Donc là, voilà, j'ai trouvé mon arme de départ, la canne à pêche, meilleure arme pour démarrer. Ensuite, bandage, là, je suis déjà prêt. Là, premier mec qui veut fight, je suis prêt, je peux le défoncer à tout moment. Bon, là, c'est du bonus, j'avais même pas besoin de ça pour gagner mes duels, mais bon, on va quand même jouer avec, hein, juste pour montrer que même avec une PM, je peux y aller. Ah, j'ai fait le mec. Là, j'ai rien à dire. Y a pas d'excuse, j'ai juste fait le mec. Tant mieux. Merci de m'avoir remis à ma place très très vite. Mais non, il est là. Oh, putain, 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 putain. Ah oh, il va avoir trop le seum, lui. Eh, reviens, t'es mort. Il est... Non mais vraiment. En plus, lui, il sait pas, mais je suis trop fort à ça. En fait, dites-vous que vraiment, hein, genre, je suis... C'est entre rapidité, précision, je suis trop fort. Mais le problème, c'est qu'il faut juste qu'il rentre dans mon périmètre. J'ai un périmètre où je sais que je peux attaquer et il est one shot. S'il rentre pas dans le périmètre, il peut me narguer longtemps. Mais par contre... Putain, il a résisté. 1-0 pour lui. Parce que là, il était dans le périmètre. Non, mais il sait pas qu'il a à faire, gros. En termes de réflexe, de rapidité, de précision, de justesse, il y a pas mieux. Avant, je me disais trop que, tu vois, genre, j'étais le genre de mec où je laissais les cadavres de moustiques. Parce que je me suis dit, putain, s'il y a ses potes moustiques qui passent, ils voient qu'il y a un ou deux cadavres, ils se disent, ouais, faut pas rester ici. Je suis sûr qu'on a tous eu cette réflexion. Genre, je laissais les cadavres en mode, regardez, genre, vraiment, venez pas. venez up. Ça a jamais marché. Ah vas-y, au moment où je... Attendez, vous croyez que je suis mort. Mais dans quel monde vous vivez? Bien sûr que je suis mort. Ça rush les bots. Ah bah j'avais pas précisé, hein. J'avais pas précisé que j'allais rush des joueurs. Vous voulez du rush, c'est ça que vous voulez que je vous offre? Vous allez en avoir, voilà. On l'a refait, deuxième prise, Dwagby qui rush. Deuxième. Vous voulez du rush, c'est ça que vous voulez depuis tout à l'heure? Bah allez, c'est parti, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, regardez, hein. Arriver dans l'arbre directement comme ça, impossible de pré-shot. Tac. Ah là, ça rush, hein. Oh là, là je crois que vous avez rarement vu du rush comme ça. Voilà. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que... Encore? Non, vous voulez encore, je crois. Mais je comprends, hein. Moi, votre plage, j'en demanderai encore. Hein. Voilà, vous le voyez, lui? Allez, hop, c'est pour vous. Voilà, du rush, du bon rush. On voit même pas qu'on le rush, voilà. C'est les risques du métier. C'est totalement les risques du métier. Quand tu rush, voilà, tu sais que tu peux te manger ce genre de choses. Fais du bien de mettre quelques petites têtes. Yeah, 1 HP. Ok. Et c'est le quadra kill pour démarrer, mesdames et messieurs. Faut pas que je me chie. Ça passe. Ils ont le seum. Et 2-2. Et oui, mon pote. Sensei Winkwa. And violet, purple candy, that voice, Majimbo, oh, oh. Un peu de douceur. Then the lights fall into you. You know the voice? Yes. I push for you. You are in my team. Il s'est passé beaucoup trop de choses dans cette game. Pas très fun ça, même si bon je m'en suis douté, hein, honnêtement. Fermez la fenêtre. Mais du coup j'ai l'impression, enfin pourquoi tout le monde m'a dit ouais fais attention dans le laser mec, il n'y a aucun danger. J'ai l'impression vraiment que vous m'avez surestimé le bail. Je me sens tête de WAM, vraiment. Je me sens plus en sécurité ici que quand je suis dans une grotte. Petite forteresse. Non, fermez les yeux, vous avez rien vu. Je comprends en fait les... Mais... Je comprends.